Hey, salut! As-tu vu cette vidéo sur la conjugaison des verbes des premier et deuxième groupes au passé simple? Si tu maîtrises bien les deux premiers groupes, je te propose maintenant de voir la conjugaison des verbes du troisième groupe et des verbes être et avoir. C'est parti! Je te rappelle tout d'abord que le passé simple est un temps que l'on utilise essentiellement dans des récits. C'est un temps du passé qui raconte des actions précises du passé. Il y a trois grands groupes de terminaisons. Les verbes dont les terminaisons sont is, is, it, im, it, ir, comme répondre, partir, découvrir, etc. Et comme les verbes du deuxième groupe. Exactement. Les verbes dont les terminaisons sont us, us, ut, hum, ut, ur, comme courir, et tous les verbes qui se terminent par u au participe passé. Et les verbes dont les terminaisons sont ins, ins, int, hum, int, ir, comme tenir ou venir, et tous les dérivés comme retenir, prévenir, etc. Oh là là, mais il ne veut pas faire comme tout le monde au troisième groupe et être régulier et facile? Eh bien non, pour ce groupe, il faut apprendre par cœur les terminaisons. Mais concentre-toi surtout sur les troisièmes personnes du singulier et du pluriel, car ce sont les plus utilisées dans les récits. Il faut aussi que tu utilises beaucoup tes oreilles pour entendre si ça sonne juste. Pour le moment, je te propose déjà de me dire quels sont les verbes ici qui sont conjugués au passé simple. Mais pause, c'est parti. C'était, elle fit, elles revinrent, je vis, vous voulûtes, vous courûtes. Maintenant, je te propose de conjuguer ces verbes avec les troisièmes personnes du singulier et du pluriel. Je te laisse les groupes de terminaison pour t'aider, mais pause. Partir, c'est il partit et elle partir. Faire, elle fit. Ils firent, revenir, il revint, elles revinrent, obtenir, il obtint, ils obtinrent, mettre, elle mit, elles mirent, pouvoir, il put, elles purent. Je te propose encore de voir trois conjugaisons. Le verbe aller qui se conjugue comme les verbes du premier groupe, j'allais, tu allas, il, elle, on alla, nous allâmes, vous allâtes, ils, elles allèrent. Les verbes être et avoir ont les mêmes terminaisons. Pour être, c'est je fus, tu fus, il, elle, on fut, nous fûmes, vous fûtes et ils, elles furent. Et pour avoir, c'est j'eus, tu eus, il, elle, on eut, nous eûmes, vous eûtes. Ils eurent. Comme toujours, petit entraînement. Voici un texte que tu dois compléter avec les verbes aller, être ou avoir au passé simple. C'est parti, mets pause. Je corrige. Il était une fois une ferme où vivaient de nombreux animaux. Un jour, ils allèrent vers le pré quand une vache fut renversée par une voiture. Le fermier alla vers elle et vérifia si elle était blessée. Les autres animaux furent surpris et partirent dans tous les sens. Le fermier eut peur en voyant cela et ne savait plus où donner de la tête. Les autres voitures eurent de la chance de ne pas être rayées par les animaux. Tu l'as bien compris, les conjugaisons des verbes du troisième groupe au passé simple nécessitent de l'entraînement et beaucoup de lectures pour entraîner son oreille à reconnaître les verbes au passé simple. Heureusement, ce sont surtout les troisièmes personnes du singulier et du pluriel qui sont utilisées et qu'il faut bien connaître. Je t'ai préparé une carte mentale avec les conjugaisons et une fiche d'exercice. Comme toujours, elles sont sur le site maîtreluca.fr sous cette vidéo. À très bientôt, ciao!